Avec James, nous avons choisi de suivre l'évangile selon saint Jean. Donc nous avons déjà entendu pour le vendredi saint, nous avons déjà entendu le récit dans l'évangile du procès, de la prière de Jésus, de sa crucifixion. Et nous voici donc maintenant pour ce jour de Pâques, nous voici au chapitre 19 de cet évangile. Alors je vais lire le dernier verset du chapitre 19 et puis le début du chapitre 20. Il y avait un jardin à l'endroit où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin il y avait un tombeau neuf où personne encore n'avait été déposé. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation, parce que le tombeau était tout proche. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rendit au tombeau dès le matin, comme il faisait encore sombre. Et elle vit que la pierre avait été enlevée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et elle leur dit, « On a enlevé du tombeau le Seigneur et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent pour aller au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa et il vit les bandelettes qui étaient là, et pourtant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva. Il entra dans le tombeau. Il aperçut les bandelettes qui étaient là et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandelettes, mais roulé à une place à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au tombeau entra aussi, il vit et il crut. Car il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts, les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Et comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau et vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur et que je ne sais pas où on l'a mis. » En disant cela, elle se retourna en arrière et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu ? » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni, c'est-à-dire maître. » Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine vint annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint. Et debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. » Et ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne le vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute notre vie. Et pour commencer à méditer sur cet évangile de la résurrection,
Nous vous proposons de chanter dans le petit recueil Louanges et prières le cantique 144, Jésus sort de la tombe. Ceux qui n'ont pas trouvé de place assise peuvent en trouver. Il y a des petites tribunes qui sont juste en face de la chaire, qui sont en fait assez agréables. Si vous voulez, vous pouvez prendre le couloir qui passe derrière, prendre la cinquième, la sixième porte, monter le petit escalier, et vous serez très bien assis, si vous désirez, mais debout, ça marche aussi. Ensuite, nous aurons donc une méditation. Je vais plutôt suivre Marie-Madeleine, et puis James suivra donc Pierre et Jean. Mais avant de méditer l'Écriture, nous prions Dieu. Ô notre Dieu, tu offres ton esprit pour que nous sachions que tu es vivant, mais encore que nous sentions ta présence vivifiante au plus profond de nous-mêmes, et que nous soyons aujourd'hui engendrés, nourris, élevés, pacifiés, réjouis, pardonnés, bonifiés et même ressuscités en tout cela. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit pour que nous puissions être source de vie par nos paroles, par nos actes, par notre présence. Seigneur, donne-nous ton esprit pour que dans notre méditation des Écritures, nous puissions vraiment être à l'écoute de ta parole.
Noli me tangere, ne me touche pas. Il y a des dizaines de tableaux qui portent ce titre dans notre annexe en face, au Louvre. Ce texte où le Christ ressuscité dit à Madeleine « Ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père » est un texte qui a plongé les commentateurs depuis l'origine du christianisme dans des abîmes de perplexité. Et c'est embarrassant car c'est visiblement le sommet de l'itinéraire de Marie-Madeleine et que Marie-Madeleine y reçoit du Christ la plus haute des missions finalement, celle d'enseigner les apôtres, et Christ fait d'elle ici l'apôtre des apôtres. Ce « ne me touche pas » n'est pas le seul élément curieux de ce récit. Il y a aussi la visite des anges qui font que le Christ ressuscité, finalement, va pouvoir être reconnu, mais comment il est aperçu par Marie-Madeleine comme un jardinier. Même pas seulement comme un jardinier parmi tant d'autres, mais le jardinier. Et puis jardinier, c'est quand même une curieuse profession. On aurait attendu, je ne sais pas moi, un cultivateur d'oliviers, par exemple. Le mot existe en grec. Elaiurgion, ça pouvait être vraisemblable dans les yeux de Marie-Madeleine, mais non, le jardinier, nous dit le texte. Ni Matthieu, ni Marc, ni Luc, d'ailleurs, ne parlent de jardin pour ce lieu de la résurrection. Mais lui, Jean, insiste sur ce point à plusieurs reprises. Mais tous ces éléments curieux ou inutiles, finalement, ça semble comme des signes qui renvoient à un récit archi-connu, celui de la Genèse. Non pas la création de l'univers, la création du monde, que Jean paraphrase dans le prologue de son évangile, mais dans la suite de ce récit, qui se déroule dans le jardin d'Éden. Adam y est effectivement le jardinier, puisqu'il reçoit la mission de l'Éternel de garder et de cultiver le jardin d'Éden, de faire librement tout ce que lui et Ève auront comme bon projet, avec une seule limite. Quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez ». Et puis les anges qui sont là. Il n'y a pas beaucoup d'anges quand même dans les évangiles et encore moins dans notre vie finalement, des anges de lumière qui arrivent comme couverts de plumes. Les anges entourant l'absence du corps de Jésus évoquent les kéroubim, les anges que Dieu place sur le chemin de l'arbre de la vie pour nous aider à le trouver en fait. On aurait pu penser que c'était pour nous empêcher d'atteindre l'arbre de vie. Ici, nous voyons en fait que ces anges étaient là pour nous guider sur ce chemin. Alors ce texte finalement nous dit que Marie-Madeleine, dans sa recherche de Jésus, touche au jardin d'Éden et que le corps absent de Jésus est comme la porte, encadrée, gardée par les anges qui indiquent le chemin vers l'arbre de vie. Et selon une rhétorique habituelle dans les évangiles, Christ est à la fois cette parole qui nous montre le chemin. Christ est aussi ce chemin qui mène vers l'arbre de vie. Christ est aussi l'arbre de vie finalement qui est offert pour que nous le prenions et que nous le mangions pour avoir vraiment la vie éternelle à laquelle Dieu nous destine. Et donc le « ne me touche pas » semble dire qu'à ce stade du développement de la foi de Marie-Madeleine, Christ est plutôt pour elle l'arbre de la connaissance du bien et du mal et qu'il serait une mauvaise idée de le manger en l'état. Et effectivement, c'est bien de la connaissance que Marie cherche à cueillir. Quand le Christ l'appelle à la vie en l'appelant par son nom, Marie, Jésus lui répond, Marie répond à Jésus, « Rabouni ». C'est-à-dire qu'elle le prend pour son maître religieux dont elle attend finalement des fruits de théologie, des fruits de philosophie, des fruits de bon et juste comportement. Au milieu du jardin, nous dit la Genèse, il y a deux arbres. Et comme il y a un seul milieu, il s'agit probablement d'un seul et même arbre, qui selon l'usage que l'on en fait, selon notre position finalement spirituelle, est à la fois l'arbre de la vie éternelle offerte en Christ, mais peut être aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal que nous devons même pas toucher finalement.
Et cette méditation de Jean sur le témoignage de Marie-Madeleine nous aide finalement à nous approprier ce qu'est le Christ. Chacune de ces images, de ces phrases, est une façon de nous aider à prendre, à faire nôtre finalement tous ces passages essentiels de l'Évangile selon Jean. Il nous invite à entrer dans une démarche de conversion au pluriel même, car Marie sans cesse dans ce texte se tourne et se retourne, se met en marche, se met à courir et revient. Avec elle, nous entrons dans un cheminement avec et par le Christ, qui est la résurrection et la vie. Et nous ressuscitons avec elle un peu finalement, maintenant, et encore un peu plus demain. Et comme elle, l'apôtre des apôtres, soyons à toutes les étapes de notre cheminement porteurs de cette semence de résurrection qui met en route aussi ceux que nous aimons. Alors la première étape, c'est la mémoire. En grec, le mot tombeau qui est utilisé ici, il y en aurait d'autres mots pour dire le mot tombeau. Le mot utilisé ici pourrait se traduire par mémorial. Marie-Madeleine nous invite ainsi à nous souvenir de Jésus, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit, de ce qu'il a été. Et Marie s'appuie dans sa propre recherche sur ses souvenirs personnels, mais aussi dans un aller-retour avec d'autres pour se souvenir avec eux et s'interroger avec eux. Et c'est ce que nous faisons ce matin finalement. Et ce mouvement nous place déjà, nous dit le texte, dans le jardin d'Éden, le jardin des délices, à la porte de ce chemin qu'est le Christ. Ce jardin est à la fois, nous le voyons avec l'histoire d'Adam et Ève, le lieu de la bénédiction de Dieu, le lieu de notre juste créativité en ce monde, mais ce jardin peut être aussi celui de l'arrogance de l'homme. Marie a donc ainsi avancé, mais son avancée est encore inaboutie et même décevante, la sienne et celle des apôtres. Il y a là comme un écart finalement, mais cet écart c'est un peu comme de lire un roman d'amour et d'être amoureux. C'est bien la même chose dont on parle, mais il y a là un écart entre ce qu'on dit, entre la mémoire, entre le souvenir, l'espérance et la chose vécue. L'évangile, la théologie, les belles idées, les promesses même de Dieu, tout cela est utile pour avancer, pour aller à la porte du chemin, mais cela peut rester encore à l'état de tombeau vide, si l'on ne va pas plus loin. Mais ça ne restera pas à l'état de tombeau vide longtemps pour Marie. Comment fait-elle? Que lui arrive-t-il ensuite? Eh bien, elle va s'investir. Contrairement à Pierre et Jean qui sont repartis, elle se tient là, à la porte des promesses de Dieu en Christ. Marie-Madeleine pleure sur ce manque qu'elle ressent, cet écart qu'elle ressent. Elle s'interroge encore, elle se baisse et elle regarde à l'intérieur de cette mémoire du Christ. C'est comme une prière, comme une soif, comme une humilité, et c'est déjà une espérance, c'est déjà une écoute, elle attend. Et du coup, elle peut voir les anges, et elle peut en entendre la parole, parole de Dieu pour elle et elle seule. Et c'est là que tout bascule dans une première conversion. Elle se retourne en arrière, nous dit le texte, geste étrange, qui lui évite de tomber dans le tombeau de la seule mémoire du Jésus passé. Elle est mise en chemin vers l'arbre de vie. Elle cherchait un lieu où on avait mis le Seigneur. Alors c'est rassurant, un lieu, c'est bien stable, on peut y mettre les deux pieds, y tenir debout et s'y poser. Mais par la mémoire de Jésus et par son espérance, Marie était déjà en fait dans ce lieu qu'elle cherche, sans le savoir, car ce lieu c'est en fait le cheminement. La parole vivante de Dieu, cette parole que Dieu lui propose est une nouvelle question, une autre question. Non pas la recherche d'un lieu, mais la recherche d'une personne. Qui cherches-tu? Paroles qui lui font chercher une personne vivante à rencontrer, plutôt qu'une mémoire à embaumer ou un lieu où rester. Marie s'entend alors appeler par son nom et rencontre le jardinier, l'Adam véritable. L'humain tel que Dieu l'espère et qu'il discerne déjà en chacun de nous.
C'est pourquoi Jésus dit à plusieurs reprises dans l'Évangile, dans cet Évangile selon Jean, que son Père et lui demeurent en chacun. Cette rencontre avec le Christ est donc une expérience intérieure, une expérience existentielle, une expérience mystique aussi, par laquelle nous prenons conscience que notre moi le plus intime, le plus personnel, n'est pas étranger à ce qu'est le Christ. C'est une expérience que nous pouvons faire, que nous sommes finalement, malgré nos limites, authentiquement humains, déjà humains en fait, déjà habités par le Christ et par Dieu en son esprit. Mais que nous sommes appelés aussi à être le jardinier du monde, appelé à l'ensemencer de graines de vie éternelle. Et nous sommes alors avec Marie au milieu du jardin d'Éden, au pied à la fois de l'arbre de vie et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Avant de manger le Christ, nous dit le jardinier divin, il faut d'abord qu'il monte vers l'éternel, pour que ce soit dans une vraie relation à Dieu finalement, et non pas dans l'arrogance de notre seul savoir sur Dieu. Ce savoir sur Dieu a été utile dans une première étape. Et que ce ne soit pas non plus dans l'orgueil de notre pouvoir en ce monde qui sera utile plus tard, mais que ce soit vraiment dans une recherche de cette union entre le Christ et Dieu. Même le Christ ne se prend pas ici pour Dieu, mais il le reconnaît comme Père au-dessus de tous. Contrairement à l'Adam de la Genèse qui veut se prendre pour Dieu, le Christ, lui, il sait déjà que le Père est au-dessus et qu'il peut monter au Père, même si le Christ est déjà en tous et qu'il est en lui Jésus-Christ plus qu'en tout autre. Et c'est de l'union du Père et du Fils que nous pouvons nous nourrir et recevoir une vie qui surpasse la vie de notre corps terrestre, qui surpasse même tout ce que l'on peut penser, tout ce que l'on peut connaître, tout ce que l'on peut dire sur le Christ et sur Dieu. Amen. Chers frères et sœurs, j'aimerais donc vous rendre attentifs à ce passage qui met en scène les deux disciples, Pierre et celui que Jésus aimait. Les disciples, ces deux disciples-là, étaient précisément là où Marie de Magdala les imaginait. Mais ça, c'était avant. Avant qu'ils ne la voient. Avant qu'il ne la voie manifestement affolée, totalement saisie par le fait que Jésus n'est plus là où il avait été déposé. Nous ne savons pas où ils l'ont mis. Et à partir de là, la fièvre de Marie atteint les disciples, des disciples qui se mettent à courir vers le sépulcre. Qu'est-ce qui fait courir les disciples? Et nous? Qu'est-ce qui nous fait sortir de notre torpeur? Qu'est-ce qui nous fait arrêter de traîner les pieds dans la vie? Qu'est-ce qui nous fait arrêter de ronchonner, de ruminer notre vie? Qu'est-ce qui nous fait courir? Qu'est-ce qui nous fait encore trépigner? Qu'est-ce qui nous donne quelques raisons de vouloir hâter notre pas et d'accélérer le cours de l'histoire? Eh bien, cela nous arrive à chaque fois que, selon l'expression d'Emmanuel Lévinas, nous éprouvons
une irréductible inquiétude pour l'autre. Et c'est précisément le cas de Pierre et du disciple bien-aimé qui sont saisis par ce que Marie vient de leur apprendre. Il y a là pour eux une évidence, c'est qu'ils doivent réagir. Eh bien, cela, l'évidence qu'il faut réagir, c'est Pâques. Pâques, c'est lorsque nous répondons présent. C'est lorsque nous sommes prêts à tout laisser tomber, pour une cause largement supérieure à ce qui nous retenait jusque-là. Les deux disciples abandonnent leur deuil. Ils abandonnent leur incompréhension de la mort de leur maître chéri. Ils abandonnent leur tristesse. Et ils se précipitent pour être là, là où ça se passe. Eh bien, à chaque fois que c'est le cas, c'est Pâques. Pâques, c'est la traversée de tous nos états mortels. C'est la traversée de nos mélancolies. C'est le passage de la rive mortelle de notre vie à la rive ardente de notre existence. Peu importe que la nouvelle soit bonne ou mauvaise, à vrai dire, il y a une nouvelle qui nous fait prendre conscience qu'il y a là quelque chose de majeur, quelque chose qui est en train de se jouer, et nous ne pouvons pas ne pas être là. Nous ne pouvons pas ne pas répondre présent. Et cela, c'est au sens strict du terme, l'éthique de la responsabilité. Lorsque nous répondons présent, quelle que soit notre réponse, quelque chose de fondamental est en jeu et nous nous en préoccupons de manière fondamentale, sans tarder, sans délai. Pâques réveille notre désir de vie. Pâques réveille notre capacité à répondre aux défis qui se présentent à nous. Pâques, ce n'est pas un mode d'emploi de la vie. C'est cette promesse que même lorsque nous sommes à plat, au bout du rouleau, épuisés par ce qui nous est arrivé, il y a encore des choses à vivre, encore des choses à éprouver. Nous pouvons encore nous relever et nous pouvons y aller de tout notre être, sans traîner les pieds, franchement, sans bougonner, de tout notre être et avec enthousiasme, le sourire aux lèvres. L'évangéliste Jean, en racontant la course des disciples, révèle que ceux qui étaient submergés par la mort de Jésus, comme tétanisés, eh bien, sont de retour dans la vie, car ce sont les vivants qui courent, selon cette formule grecque connue de tous les hellénisants, ta zoa trekei. Une formule de grammaire importante à retenir. Toutefois, une fois qu'ils sont arrivés, une fois qu'ils sont sur place, il y a comme une sorte de coup d'arrêt brutal. Ils sont comme arrêtés net dans leur course, coupés dans leur élan. L'un s'arrête à l'entrée du sépulcre, l'autre fait quelques pas de plus, et les deux sont figés par ce qu'ils voient. Mais une deuxième résurrection va intervenir. Pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre cette résurrection du croire, puisque c'est de cela dont il s'agit, il faut plonger dans le texte grec et bien entendre les verbes qui sont utilisés au sujet du voir. Trois fois on dit qu'il voit, mais il faut être précis pour bien comprendre la progression des choses. Le premier disciple voit les bandes, mais il n'entre pas. Ensuite, c'est Pierre qui voit les bandes et le linge. Et enfin, le premier disciple voit à nouveau et il croit. Trois verbes « voir » qui sont trois verbes grecs différents, qui expriment une progression. Le premier « voir », c'est « blepo », jeter un regard, un peu distrait. Puis, Pierre qui voit est en fait un Pierre qui examine, « théoréo ». Et enfin, le disciple bien-aimé voit du verbe « orao » qui est « observer » et « comprendre ».
Qu'en jetant un coup d'œil, il ne se passe pas grand-chose, c'est compréhensible. Mais pourquoi Pierre, qui examine, qui théorise en quelque sorte, ne croit-il pas, comme cela va être dit du disciple bien-aimé, alors qu'il fait des efforts pour voir ce qu'il y a sous les yeux? Eh bien, peut-être parce qu'il manque d'un peu de recul. Ce recul nécessaire pour bien voir les choses, ce recul dont bénéficie l'autre disciple bien-aimé. Ce recul qui permet de voir l'ensemble de la situation et de voir où les différentes pièces du puzzle prennent leur place. Le problème, c'est que quand on est trop près de la scène, chaque élément pris séparément ne nous dit pas grand-chose forcément. En revanche, si nous embrassons toute la scène d'un même regard, comme le disciple bien-aimé, alors nos yeux peuvent s'ouvrir à une réalité qui peut-être nous échappait jusque-là. Le disciple bien-aimé, au fond, pourrait peut-être s'interroger sur son identité. Qui est-il ? Qui est-il, sinon le lecteur de l'Évangile selon Jean ? C'est-à-dire une personne qui vit 100 ans à peu près après les faits. Un croyant qui s'interroge sur ce qu'est la foi authentique. Quelqu'un qui effectivement a du recul, non pas simplement un recul spatial, mais un recul temporel. Oui, il a du recul par rapport à Pierre, le contemporain de Jésus, parce qu'il est effectivement entré après Pierre dans le sépulcre. Ce mot grec dont on a rappelé qu'il signifie la mémoire. Oui, il a fait son entrée dans la mémoire bien après Pierre, une bonne 60aine d'années probablement. Et que voit-il que Pierre n'arrive pas à théoriser ? Comment se fait-il que lui comprenne ce que Pierre ne comprend pas ? Des bandes, petits bouts de bandes. Et puis, dans un lieu à part, le linge qui a été roulé. Des bandes de tissu, une toile roulée de côté, une toile dont on dit qu'elle a contenu la tête de Jésus, ce qui peut nous faire penser à la tête, l'arché, le principe dont l'évangéliste Jean disait que cela nous fait penser au commencement, au Bereshit, le premier livre de la Genèse. Eh bien, ce rouleau et ces bandes de toile ne font peut-être pas penser à grand-chose à Pierre, mais pour le disciple bien-aimé, celui qui vient après, les choses sont un peu plus compréhensibles. Parce que la mémoire qui est ainsi traversée, c'est cette mémoire que nous avons encore dans nos textes bibliques. Au fond, c'est la Bible que Pierre a sous les yeux, mais il ne le sait pas encore. Parce que si le rouleau de la Torah est bien roulé, les manuscrits du Nouveau Testament ne sont pas encore écrits pour Pierre. Et pour Jean, oui. Et pour le lecteur de Jean également. Comme le dit l'évangéliste Jean, il ne savait pas encore l'écriture selon laquelle il devait ressusciter. Le disciple bien-aimé peut croire parce qu'il a les éléments pour comprendre. Il n'a pas simplement une grille de lecture, il a les éléments qui lui permettent d'interpréter les signes de la vie. Le disciple bien-aimé voit et croit parce qu'il a à sa disposition l'équipement, l'outillage nécessaire qui font le chrétien avisé. Et pour lui, tout cela peut faire sens. Il arrive à comprendre ce qui se passe. Effectivement, l'espérance n'est pas morte. Il arrive à comprendre que le logos, la parole d'évangile, ce qu'on croyait définitivement enterré, eh bien est en fait tout à fait disponible. Il reste bien vivant ce logos et il nous déclare, à nous qui arrivons encore après le disciple bien-aimé, que nous pouvons nous aussi sortir de tous les hivers de nos morts et goûter aux joies du printemps de la vie. Amen.